Ça dit quoi? Vous allez voir quoi? Kenny Noise. Ok, chef, ramène à boire pour mes invités de marque. Merci beaucoup. Ils vont prendre de béninoises. Les gars, ça dit quoi? Bien? Super, bien. Voilà, c'est pas. Vous savez qu'on est dans le mois du consommement local. On doit consommer les choses de chez nous. Quand on parle de consommement local, ça vous rappelle quoi? Genre, vous pensez à quoi? Quand on dit donc consommer localement? Pour ma part, consommer local, c'est-à-dire consommer les choses de chez nous. Mm-hmm. Ouais. Je ne sais pas, moi je suis de Ouida par exemple, si je dois consommer local, c'est-à-dire je vais consommer les mets de chez moi, les mets de Ouida. Mm-hmm. C'est un peu ça à mon avis. Super. Les mets de Ouida. Je voulais poser cette question-là. Toi tu es d'où? Moi je suis de Kome. Ah, le don est de Kome. Le don de Kome. Tu as grandi à Kome? Non, je n'ai pas trop vécu à Kome, mais mm-hmm. Toutes les fois où je suis allé à Kome, j'ai regardé de bons souvenirs. Il y a le bloc. Il y a plein de choses qui m'ont fait rêver à Kome. Bon, je n'ai pas trop vécu là-bas, mais Kome, c'est vraiment une bonne ville. Mm-hmm. C'est vrai, moi j'aime aussi Kome. Surtout le zomi de Kome, c'est super. Ouais. C'est vas-y, tu peux servir, vas-y. Si par exemple quelqu'un arrive à Ouida aujourd'hui, quel endroit tu peux conseiller à cette personne de visiter? Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier à Ouida? Déjà, vous savez que Ouida, c'est une ville carrefour et tout. C'est une ville qui comporte plusieurs sites touristiques, ouais, notamment la porte du non-retour, la route de l'esclavage, ainsi de suite et tout. Bon, pour ma part, en tout cas, dernier nom Ouida, j'aimais beaucoup le Bendjou. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est quoi le Bendjou? C'est un truc que les mamans font, elles mettent dans une poêle sur le feu. C'est fait à base de gari. Okay. Et ça se mange avec de l'arachide. C'est le hablo de gari, là. C'est ça. Ah, je connais. Je connais ça. Tu sais, maman est de Ouida aussi. Elle est Chibozo, elle est de Ouida. Et c'est elle qui ramenait ça à la maison. Nous, on appelait ça hablo. Hablo de gari. Le vrai nom, c'est Bendjou. J'aime beaucoup. Tu n'as pas ça. Bon, j'aime aussi la pâte et les légumes. La pâte et les légumes. Une sorte de légumes. Ok. C'est la spécialité. C'est la base à Ouida, alors. Ouais, c'est la base. La pâte avec légumes. Merci beaucoup. Comment d'agbéré, kocha, yodé, alo. Quoi, toi, quoi, chile. Façon. Mangarnilé. Mais merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi à Kome? Comme nourriture, ou je sais pas, ville, genre site touristique à visiter. Moi, bon, comme je n'ai pas trop fait Kome, je ne maîtrise pas totalement tout ce qu'il y a à Kome, mais tous les endroits que j'ai déjà visités à Kome, disons, il y a pas mal de choses à Kome. Il y a d'abord une population qui gère à sa manière, une population qui fait tout pour qu'il y ait vraiment de... Et ils sont très accueillants aussi à Kome. Ouais, ils sont super accueillants à Kome. Il y a aussi le hablo. Il y a le hablo là. Le petit poisson là. Oui, les petits poissons, ouais, super, les petits poissons à Kome, franchement. Les gars, santé. Nous sommes en mode, voilà, la bière de chez nous. J'adore. Après, c'est au bout. Nous sommes des artistes, on ne va pas se voir sans parler de musique, ou bien. Ouais, il faut qu'on parle de musique. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un artiste qui vous a motivé à faire de la musique? Est-ce qu'il y a une musique qui vous a donné la passion, l'amour pour la musique? Nous avons un ami en commun qui nous a tous motivés à commencer la musique d'ailleurs, parce que je dirais que tout ce que nous on fait aujourd'hui, depuis plus de 5 ans, lui le faisait déjà en fait. Il voyait déjà très loin. Donc, on est des frères. Du coup, il y a beaucoup de Django, bien quoi. Moi, je faisais beaucoup plus les interprétations, Kiff Nobit et autres. Mm-hmm. J'étais en 6e. Mm-hmm. Mais j'essayais d'écrire des textes et tout. Donc, un jour, on s'est vu, on a essayé de faire un battle, un duel. Mm-hmm. C'est là qu'il m'a révélé en fait que j'ai la capacité d'écrire. Donc, il faut que j'arrête d'interpréter les textes d'autrui et que je commence à écrire pour moi-même et tout. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai commencé jusque-là. Et bon, pourtant, on est tout le temps ensemble, ouais, tous les trois et tout. Eux, d'ailleurs, ils se voient d'habitude beaucoup plus que moi, parce que moi, je suis souvent dans différentes villes pour les études. Donc, en tout cas, je le laisse expliquer. Ouais, bon. Le gars dont nous parlons, notre frère,
c'est lui qui m'a fait découvrir, le studio pour la première fois. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas en musique. En musique. C'est un très bon rappeur. Et il me suit beaucoup. Moi, bon, je dirais au début, la musique, je ne savais pas que je pouvais faire un chemin en musique, un long chemin en musique. Mais lui, à chaque fois que je le vois faire, ça me motive d'une manière, ça me donne envie d'aller très loin. Et disons... C'est avec lui que tout a commencé, en fait. Ouais. Mais malheureusement... C'est ce qui m'a vraiment fait mal. Est-ce qu'on peut connaître son nom, lui rendre un petit hommage? Authentique. Son nom de scène, c'est Authentique. Ouais. Il est vraiment authentique. Bah, il doit être fier. De là où il est aujourd'hui, je pense qu'il doit être fier. Et c'est important de reconnaître voilà, les personnes ou de musique. En tout cas, les précurseurs, ceux qui nous ont donné envie de commencer par faire de la musique, c'est très, très important. Et je pense qu'il doit être fier de là où il est aujourd'hui. On l'espère aussi et que son âme repose en paix. Alors les gars, dites-moi, quand on parle du consommant local, hein, c'est quoi la place du local dans votre art, dans votre musique? Bon, déjà, quand on écoute Connect et Don, on saura forcément que ça vient du Bénin. Déjà, que ce soit au niveau du lyrics, de la composition musicale, c'est-à-dire de l'instrumental, que de la composition en général. En fait, des percussions de chez nous. Voilà, et on s'inspire aussi beaucoup des mélodies de chez nous, de la musique de nos précurseurs, en fait. Comme qui, par exemple? Comme qui? Comme Alekpe Ranou, comme Riskoul, comme Sago Ndanyalou, comme beaucoup d'entre eux. Les polyrythmos, beaucoup de personnes qu'on écoute, on essaie de s'inspirer de leur musique. Qui sont de grands noms de la musique béninoise. Oui, bien sûr. Mm-hmm. Bien sûr. Ces personnes-là ont créé quelque chose, en fait, Kavibro. Mm-hmm. Et créé une née. Donc, on ne peut pas vraiment laisser ça comme ça. On est obligé d'hériter de cela et de porter ça beaucoup plus loin. Parce que quand on regarde des gens comme Bona Boy aujourd'hui, des personnes comme ça. Ils s'inspirent des Kuti, voilà, ils prennent carrément ils sentent carrément des chansons de ces vieux-là. Exactement. Qu'il ramène à la modernité, en fait. Exactement. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Et on a même notre album Symphonie Béninoise, ouais. C'est ça le nom de l'album. Mm. On a un album qui vient et tout, donc le titre c'est Symphonie Béninoise. Okay. Donc dans cet album, on va essayer de ressortir beaucoup plus les richesses de notre pays. Okay. Ouais, on va les ressortir à la face du monde. Mais déjà, on voit, moi, dans vos morceaux, vous chantez beaucoup en fond. Ouais. Et déjà ça, c'est purement local, c'est quand même une touche vraiment locale. C'est vrai qu'aujourd'hui, la musique, c'est pas forcément... la langue n'est plus une barrière ou bien une frontière, en fait. Parce qu'il faut sentir le truc. Mais là, on sent qu'il y a une touche béninoise dans ce que vous faites avec le fond déjà qui est dedans et les percussions. Donc moi, je vous dis chapeau pour ça. Et franchement, c'est juste génial. En tout cas, bravo. Moi, je suis vraiment, vraiment fier de ce travail-là. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous écoutez? Si je demande à connaître ces dons, de me faire une playlist, je rendais Milan c'est ta en l'air, quoi. Rendais Milan c'est bon, c'est vivant, en l'air. 10 chansons comme ça, si vous pouvez me faire une playlist comme ça. Bon, on est en ces derniers mois, et des sons le printemps dernièrement, bon. Sans ombre, bon. Premièrement, il y a le son du Kondo Diblo et Bobo. Et Bobo, oui. Ouais, problème. Ouais. Ok, problème. Deuxièmement, ça montre déjà le soutien de nos artistes, c'est super. C'est ça. Deuxièmement, il y a le Kondo technicien. Tigang, ouais. Son titre Nancy. Nancy, ouais. C'est le son que j'adore. Très fort, avec un fort message, ouais. Bon, après ça, il y a son featuring avec le grand Credo. Ouais, oui. Bien sûr, ouais. Kingo, un gros succès. Après ça, il y a notre son à nous, Connect et Don. Quelque chose de différent. Ah, avec Tiaf ou bien seul d'abord. Ok, la première version. C'est le son que moi, je kiffe. Après ça, il y a. Aventurier. Bon, pour ma part, moi j'écoute beaucoup Tiaf, son freestyle qu'il a sorti dernièrement avec Sinom OS. J'ai beaucoup aimé. Par la suite, j'écoute aussi Madano. Ouais. Son titre, Maman. Ouais. Maman, j'ai mal au cœur, ainsi de suite.
Après, il y a aussi nos morceaux que j'aime beaucoup, comme Trahison, Connex et Don Trahison, Connex et Don La Course. La Course, ouais. Gros son aussi. Ouais. Par la suite, Connex et Don Doubé. Doubé, ouais. Doubé, j'aime beaucoup aussi le concept derrière. La vidéo, j'aime beaucoup. Le côté vintage et tout, ouais. C'est super. Ça rappelle les années 80 et tout. franchement, chapeau. Donc, c'est la preuve que nos artistes s'écoutent aussi. Voilà, et qu'on écoute aussi beaucoup de la musique béninoise. Donc, c'est vraiment le consommant local, en fait. Et c'est bon. Hein. En tout cas, super. Franchement, je suis très content. C'est moi, j'ai une surprise pour vous maintenant. Tout à l'heure, tu disais que tu aimes manger le Mans. Le Mans avec la pâte. Ouais. Nous allons manger le Mans avec la pâte. Ah. C'est la consommation locale, c'est le Mans du consommant local. Donc, on va. Mais là, c'est différent ou quoi? Et tu me diras si c'est comme ça, ça se fait chez toi. Ouais. Tu me diras si le chef, si mon chef, il a réussi. Il n'y a pas de souci. Ou bien ouais. En pathologie. La pâte avec du chayo. En tout cas, on va manger, vous allez me dire si mon chef a fait ça comme à Ouida. Merci chef. Bon appétit les gars. Il faut dire que le chayo, c'est en même temps une tisane, non? C'est une plante thérapeutique. Donc, en même temps, c'est une sauce, en même temps, c'est une tisane. Ça soigne aussi. C'est la preuve qu'on a assez de richesse. Bien sûr. Mmh. Les gars, franchement, c'est pas pour vous, hein, mais moi j'ai bien mangé. C'était une chose digne du nom. Ah, c'est du monde constipé. Vous validez. J'adore. Mandien. Edim Biwe. Cuisinier. À quand? À Dailo. C'était comment? Est-ce que ça ressemble au plat de Ouida vraiment? Tu sens ça? Tu as retrouvé le Dawi dedans? Il est rouillé, hein? Comme on le dit dans la rue, moi, il est sota, sodiki, mon bateau. Sincèrement, c'était bon avec le fromage, avec tout. Tout était au rendez-vous, en fait. Donc, j'ai apprécié. J'ai pris mon pied. Et toi? Mouvement est du Maku. Fromage, ouais. Aïe, tout. Bah, j'ai pas envie de vous laisser partir, mais on va essayer de conclure légèrement d'abord et se dire à la prochaine, à très 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 bientôt. Ou bien ouais. Pour d'autres plats. Bien sûr. Viens nous comme de lait. Ah ok, viens nous comme de lait. Ah donc. Et donc on est venu hier. Viens nous comme. Ah oui. Abi minalu minalu veiwe à cause de Zomibo. Abloni. Vous photocopiez de quoi? À nous photocopier. À nous photocopier. Ah comment on nous photocopie? Nature après. On va clôturer en musique. Hein, pour se dire à la prochaine. Ou bien. À très bientôt non. C'est toi. On y va. On fait quoi? Moi, c'est serveuse de bière. Moi, en litre, sans frein. Moi, mes pépés, si j'appelle, vous dans le boulevard. Non, mais elle est sans crainte. À tout le monde, c'est diarrhée d'eau. Est-ce que j'ai envoyé encore les tonnes de casé? Je suis frais. Avant, tu as douté. Maintenant, oui, serveuse de bière. Béninoise. Oh, Kabi Guinness, serveuse de bière. Envoyez les casiers. Maintenant, mon serveuse de bière. Béninoise, ma serveuse de bière. Panaché, mon serveuse. Serveuse de bien, mesdames, serveuse de bien, mon bateau. Un seul mot faux. Merci beaucoup pour tout. Les gars, merci beaucoup. Toujours propre.